Di là vành cát ca rie de l'an 2014 et nous sommes dans la salle de méditation au tranquille à Molio, village de Pugné pendant notre pratique session de pratique d'été. Nous avons été un petit garçon de 5 ans. Ou une petite fille de 5 ans. Est-ce que la petite fille ou le petit garçon est encore là, vivant? Le garçon de 5 ans n'est plus visible. On ne le voit plus. Quand vous feuilletez l'album de la famille, vous pouvez voir le garçon. C'est vous-même, la petite fille qui était vous-même à l'âge de 5 ans. La question posée, c'est que est-ce que ce petit garçon est mort, est déjà mort? Ou il est toujours vivant? S'il est toujours vivant, pourquoi on ne le voit plus? Pourquoi on ne le voit plus? Et si l'enfant est mort, pourquoi nous sommes là? C'est parce que nous sommes une continuation de l'enfant. Les enfants ont déjà médité sur la graine de maïs cette semaine-ci. Je leur ai dit que la plante de maïs a commencé par une petite graine. La graine se développe en plante. On ne voit plus la graine. Mais on ne peut pas dire que la graine est morte. La graine n'est plus là. Et pourtant, la graine n'est plus visible. Et quand une chose n'est pas visible, on dit qu'elle n'est pas là. Et ce n'est pas vrai. La graine est toujours là, dans sa nouvelle forme. C'est parce que la plante est la continuation de la graine. Donc, la question entame l'idée de l'être et du non-être. La naissance et la mort. Est-ce que l'enfant est vivant? Est-ce que l'enfant est déjà mort? Est-ce que l'enfant existe maintenant? Est-ce que l'enfant n'existe pas, n'existe plus maintenant? Ce sont des questions assez profondes. On peut dire que l'enfant de 5 ans est déjà réincarné dans l'adulte. Et la réincarnation
se déroule dans chaque moment de notre vie quotidienne. On n'a pas à mourir afin de se réincarner. Dans le moment présent, nous avons un corps, des sensations, des perceptions, etc. Mais ce n'est pas les mêmes choses hier ou avant-hier. Nous coulons comme une rivière. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes exactement pas la même personne que nous étions hier. Donc la personne hier est déjà réincarnée dans la personne d'aujourd'hui. Donc on peut dire que la réincarnation se fait à chaque moment. Nous renouvelons à chaque instant. Et la valeur de notre présence dépend sur la valeur de nos actions. C'est parce que tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait a un effet sur la série des causes et des effets. On a déjà dit que l'homme est la somme de ses actes, comme a dit Jean-Paul Sartre. C'est la définition de l'homme. L'homme est fait avec ses pensées, ses paroles et ses actes. Et la qualité d'une personne dépend sur la qualité des pensées, des paroles et des actes qui sont créés par la personne. C'est le karma. Le karma, c'est-à-dire l'action. Il y a une quarantaine d'années, quand nous étions à Paris, 45 ans, bientôt, il y avait une dame anglaise qui s'appelle Edwin Best. Elle était anglicane. Elle travaillait avec nous dans notre communauté appelée des délégations de paix aux négociations de Paris, négociations de paix de Paris. Elle avait une foi, une conviction très forte dans le royaume de Dieu. Son mari était mort à l'âge de 30 ans. Elle croit toujours que quand elle meurt, elle va rejoindre son mari dans le royaume de Dieu. Elle avait une conviction comme ça. Et j'ai parlé à elle plusieurs fois en ce qui concerne le soi, l'impermanence, des choses comme ça. C'est parce qu'elle travaillait avec nous dans le bureau pour la paix. Je lui ai posé cette question. Edwin, est-ce que tu penses que quand tu entres dans le royaume de Dieu, tu vas le trouver jeune comme ça? 30 ans, tu es maintenant 70. Elle était confuse. Une question, une simple question pour la rendre confuse. Elle est devenue déjà une dame de 70 ans. Et si elle rentre dans le royaume de Dieu, et lui, il reste 30 ans.
Donc, à cause de l'impermanence, on change toujours. On n'est plus la même personne qu'avant. On n'est pas vraiment une autre personne, mais on n'est pas exactement la même personne. C'est une vérité. Donc, l'enfant et vous ne sont pas exactement la même personne. Vous êtes si différentes l'un de l'autre. En ce qui concerne la forme, les sensations, les perceptions, l'enfant est très différent de l'adulte. Donc vous n'êtes pas vraiment la même chose avec l'enfant. Mais vous n'êtes pas une autre personne entièrement autre. Donc la vérité, c'est non identique, non différente. Vous n'êtes pas la même personne avec l'enfant. Vous n'êtes pas une personne totalement différente. Mais il y a une continuation. C'est parce que l'adulte, c'est la continuation de l'enfant. Et l'enfant a aussi sa vie antérieure. C'est parce que l'enfant est une continuation de quelque chose. Et l'enfant est la continuation de son papa, de sa maman. C'est une chose sûre. Comme la plante de maïs est une continuation de la graine de maïs. Et la graine de maïs est la continuation de la plante maïs de la génération précédente. Donc tout est une continuation. Et nous sommes la continuation et de l'enfant. Aussi nous sommes la continuation de notre papa, notre maman et nos ancêtres. Et si on regarde comme ça, on va découvrir la vérité du non-soi. Il n'y a pas de soi séparé. Et c'est l'enseignement le plus profond du Bouddha. Il n'y a pas de soi séparé. Il y a seulement une série de causes et effets. C'est à cause que tout change. En Occident, on dit on ne peut pas se baigner deux fois dans une même rivière, n'est-ce pas? C'est ce que la rivière change tout le temps. Et c'est la même sagesse. Donc la rivière se nomme toujours avec un nom, comme la Marne, la Garonne. Le nom Marne et Garonne ne change pas. Mais le cours de la rivière change en tout instant. Donc nous avons un nom. Ce nom est écrit dans notre carte d'identité. Ça ne change pas. Mais nous, en tant que forme, sensation, perception, nous changeons tout le temps. Donc, et le changement, ce n'est pas quelque chose de négatif. Sans changement, sans impermanence, il n'y a pas de vie. Donc l'impermanence est une des caractéristiques de la vie. Et on doit accepter l'impermanence. Grâce à l'impermanence, tout est possible. Si les choses ne se sont pas impermanentes, alors il n'y a pas de transformation et guérison possible.
grâce à l'impermanence, tout est possible. On peut changer un régime, on peut faire tout. Donc l'impermanence n'est pas quelque chose de négatif. Si vous arrivez à toucher votre nature de non-soi, vous êtes libéré de beaucoup de souffrances. C'est parce que la discrimination entre le soi et le non-soi, c'est une erreur fondamentale. Supposons que la fille regarde sa maman avec la pleine conscience. Elle a eu des difficultés avec sa maman. Elle a pensé que sa maman lui a causé beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Elle hait sa maman. Elle se dit que quand je me grandis comme adulte, je ne serai pas comme ma maman. Je serai très, très différente d'elle. Mais si elle ne pratique pas, elle devient exactement sa maman plus tard. Elle dit que ma maman est insupportable. Mais si elle ne pratique pas, elle va devenir insupportable pour sa fille, son garçon plus tard. C'est parce que la fille est une continuation de la maman. S'il n'y a pas une intervention heureuse, alors il n'y a pas de transformation. Donc il faut que la sagesse intervienne, que la compréhension intervienne, que la compassion intervienne pour qu'il y ait un changement, une transformation. Et si l'enfant regarde sa maman comme ça et voit la nature du non-soi, la fille n'est qu'une continuation de la mère. C'est la vérité. La fille n'est pas une identité séparée. Il n'y a pas de soi. Et si maman et fille, la mère et la fille reconnaissent cette vérité, cette nature du non-soi, alors la colère, le désespoir vont disparaître. Ma maman, c'est moi-même. Ma fille, c'est moi-même. Quand je hais ma maman, je me hais. Quand je suis en colère contre ma fille, je suis en colère contre moi-même. C'est la vérité. Donc avec la sagesse du non-soi, on peut sortir beaucoup de problèmes, d'afflictions. Nous avons parlé du sentier, noble sentier présenté par le Bouddha, le chemin du bonheur, le sentier octuple, le chemin du bonheur. Et nous avons parlé de la vue juste. C'est une sagesse, c'est une vision correcte de la réalité. Une vision correcte, c'est une vision qui est dépourvue, qui est libre de la notion de soi, soi séparé.
regardez cette fleur, regardez-la bien. Quand on regarde la fleur, on voit beaucoup de choses. On voit des éléments non-fleurs dans la fleur. La fleur est une chose composée. C'est un terme bouddhique. Une chose composée. Une formation. On peut voir la présence de la lumière, du soleil dans la fleur. C'est une chose évidente. C'est parce que s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fleur. Donc, soleil, lumière, c'est un élément non-fleur qui est indispensable à la fleur pour se manifester. Et on regarde, on voit un nuage dans la fleur. Vous n'avez pas besoin d'être un poète pour voir un nuage dans la fleur. On sait très bien que s'il n'y a pas de nuage, il n'y aura pas de pluie et les fleurs ne peuvent jamais pousser. Donc le fait c'est qu'il y a un nuage qui flotte dans la fleur. Et nuage n'est pas fleur. Le nuage est un élément non-fleur qui est indispensable à la fleur pour se manifester. On regarde et on voit le sol, la terre, qui est aussi un autre élément non-fleur. Et on voit beaucoup d'autres choses, le jardinier, sa famille, sa nourriture, le temps, l'espace. Il y a tant d'éléments non-fleurs qui se regroupent, qui se réunissent pour aider la fleur à se manifester comme une merveille. Donc, conclusion, la fleur est faite seulement avec des éléments non-fleurs, n'est-ce pas? La fleur est faite seulement avec des éléments non-fleurs. Et si on enlève les éléments non-fleurs de la fleur n'est plus là. Donc la fleur n'a pas une existence séparée en soi séparé. La nature de la fleur, c'est la nature du non-soi. La fleur ne peut pas dire que moi, je peux être moi-même, je n'ai pas besoin de soleil, de lumière, de nuages, des choses comme ça. C'est pas de la sagesse, ce n'est pas de la vue juste. La vue juste, c'est la vision du non-soi. Rien ne peut exister par soi-même, tout doit coexister. Donc le verbe être ne peut pas décrire que le verbe être ne peut pas décrire vraiment la vérité. Et on peut inventer un autre verbe. Inter-être. Qui peut suggérer une relation entre les phénomènes. On dit que la fleur ne peut pas être par elle-même. C'est parce que sans les éléments non-fleurs, elle ne peut pas être. Elle doit inter-être avec tous les éléments non-fleurs.
Chérie, parce que tu es là, pourquoi je suis ici. Donc au lieu de dire je pense, donc je suis, on peut dire tu es, donc je suis. Si le soleil n'est pas là, la fleur n'est plus là non plus. Donc la fleur peut regarder le soleil et dire tu es, donc je suis. C'est la vérité de l'inter-être. Il n'y a pas de soi séparé. Et la vision de l'inter-être va pouvoir enlever la notion de naissance et de mort qui est à la base de notre peur. Et aussi la notion de l'être et du non-être. La fleur ne peut pas être par elle-même, elle doit inter-être avec tout le cosmos. La même chose est vraie avec tous les autres phénomènes. Rien ne peut être par soi-même, tout doit se baser sur les autres pour pouvoir exprimer, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se manifester. Et l'enseignement du Bouddha sur ceci est si simple dans sa manière d'expression. Ceci étant, cela est. Thứ hữu có bể hữu. Ceci existe parce que cela existe. L'interdépendance. Si tu n'es pas là, je ne suis pas là non plus. Comme la gauche et la droite. Si la gauche n'est pas là, la droite ne peut pas être là non plus. Et tout est comme ça. C'est l'enseignement du Bouddha sur la genèse du monde. La genèse. Si simple. Les choses ne peuvent pas être par eux-mêmes. Ils doivent inter-être avec toutes les autres choses. Une production interdépendante, une coproduction interdépendante. Faisons ensemble une petite méditation. On dessine une ligne qui représente le temps. De gauche à droite. Ici, c'est la direction du passé. Et ici, c'est la direction du futur. Et on prend un point sur la ligne et on appelle N. Ça veut dire naissance. La naissance. La naissance de quelque chose. La naissance
du cosmos, ou la naissance d'une fleur, ou la naissance d'un bébé, le point N. Le problème commence avec le point N. C'est parce que quand on conçoit un point sur la course du temps, on appelle cela naissance, alors il y a des notions qui sont nées. C'est-à-dire avant le segment qui précède N, le segment qui termine avec N est appelé non-être. Avant la naissance, on n'existe pas. Et c'est notre définition sur du mot naissance. Naître, ça veut dire de rien, on devient quelque chose. De personne, on devient quelqu'un, n'est-ce pas? C'est notre manière de penser. C'est naître, c'est du domaine du non-être, on passe au domaine de l'être, n'est-ce pas? C'est notre manière d'argumenter, de penser. Donc N, c'est le commencement de l'être. Et naître, comme ça, est défini comme le passage du non-être à l'être. Avant ma naissance, je n'existais pas. Je commence à exister seulement depuis ma naissance. Et presque tout le monde pense comme ça. Et cette sorte de pensée est décrite par le Bouddha comme la pensée non juste. C'est parce que cette pensée est basée sur une vue qui n'est pas juste. Dans l'écriture sainte du bouddhisme, il y a un sutra qui s'appelle Katiyana. Une fois, le moine Katiyana est venu poser au Bouddha une question. Mon maître, tu as parlé beaucoup de fois sur la vue juste. Dis-moi exactement qu'est-ce que c'est que la vue juste. Et ce matin-là, le Bouddha a donné une définition de la vue juste d'une manière très courte et très précise. Il a dit ceci. Mon cher, la vue juste, c'est une vue qui transcende l'idée de l'être et du non-être. Être, c'est une idée seulement. Et non-être, c'est aussi une idée seulement. Et toutes les deux idées ne s'appliquent pas à la réalité. On va continuer avec cela, mais on doit continuer avec maintenant on doit continuer avec l'autre point. C'est parce qu'on a établi le point N, on doit établir le point M quelque part. C'est parce que quelque chose qui est né doit périr, doit mourir. Après, donc si le point N existe, le point M doit exister aussi, comme la droite et la gauche. S'il y a la droite, il y a la gauche, et vice-versa. Donc on commence à être à partir du point N, et on continue jusqu'à l'on arrive au point M.
Et au point M, on passe de nouveau du domaine de l'être au domaine du non-être. Et c'est notre manière de penser. Quand je meurs, après que je meurs, je n'existe plus. C'est un concept appelé annihilation. Annihilation. Donc il y a quatre concepts. La naissance, la mort, l'être et le non-être. Il y a deux pères ici, naissance, mort, être et non-être. Et ces deux pères de notions se basent l'une sur l'autre. C'est parce que nous acceptons qu'il y a de la naissance et la mort, nous devons accepter aussi la notion de l'être et non-être. C'est parce que nous avons défini que naissance veut dire du domaine du non-être, on passe au domaine de l'être. Maintenant, continuons cette méditation avec un nuage. Qu'est-ce qu'il arrive si quand le nuage meurt? Est-ce qu'un nuage peut mourir? Et quand on a du temps pour observer, on verra assez facilement qu'un nuage ne peut jamais mourir. Un nuage ne peut jamais passer du domaine de l'être au domaine du non-être. Un nuage peut très bien devenir de la pluie, de la neige, de la grêle, mais c'est impossible pour le nuage de devenir néant, le néant, n'est-ce pas? Tout le monde peut voir cela. Il n'y a pas de mort possible avec un nuage. Et la même chose est vraie avec tous les autres phénomènes, et nous inclus. C'est impossible pour nous de mourir, de passer de l'être au non-être. Donc on voit très bien que la nature du nuage, c'est dans la nature de la non-mort. Un nuage ne peut jamais mourir. Un nuage peut se transformer en pluie, en neige, en grêle. Mais elle continue toujours. Elle peut devenir une tasse de thé. Et quand je vois mon thé, je peux très bien voir mon nuage, qui n'est plus visible dans le ciel, mais encore visible dans mon thé. Donc quand on a du temps, on peut regarder, on peut voir des choses comme ça. Quand vous regardez la plante de maïs, avec profondeur, vous pouvez reconnaître la présence de la graine de maïs qui est là sous une nouvelle forme. Donc la graine n'est pas morte. Mais est-ce que le nuage a été né? Est-ce que votre nuage
à passer du domaine du non-être au domaine de l'être. Avant d'être un nuage, est-ce que le nuage a existé? Avant de se manifester en forme de nuage, est-ce que le nuage a déjà existé? Et c'est assez facile de dire que oui. Le nuage n'a pas, c'est impossible de quelque chose de passer du non-être à l'être. On ne voit pas une telle chose dans le monde. Le non-être ne peut jamais devenir l'être. Avant d'être un nuage, le nuage a été l'eau dans l'océan, et la chaleur générée par le soleil. Donc, le nuage, notre nuage, n'a pas passé du non-être à l'être. C'est seulement la naissance, est seulement une transformation. Vous prenez une nouvelle forme. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Il y a seulement des nouvelles manifestations. Un homme de science français, Lavoisier, elle a dit la même chose. En français, rien ne se crée, rien ne se perd. Et tout se transforme. Et vous savez bien que Lavoisier n'était pas bouddhiste. Il a dit exactement la même chose que dans le Heart Sutra, dans le Sutra du cœur. Rien ne se crée, il n'y a pas de naissance. Il n'y a pas de mort. Il y a seulement une transformation. Quand vous faites une expérience chimique, vous mettez des substances diverses ensemble et quelque chose arrive, une substance se transforme en une autre substance et vous dites qu'elle est morte. Mais non, elle n'est pas morte. Elle est devenue seulement une autre substance. Et si on compte, le nombre des atomes sont les mêmes, avant l'expérience et après l'expérience. Donc il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort, il n'y a que de la transformation. C'est la mort est une transformation. Et la mort se déroule non seulement à cet instant, mais à chaque moment. Quand on se regarde dans le corps, on voit que la mort se déroule dans le moment présent. Et les biologistes, ils le savent. À chaque instant, il y a des milliers de cellules qui meurent pour que les nouvelles cellules puissent naître. Et la naissance se base sur la mort. Ce n'est pas vraiment une mort ou une naissance, c'est seulement une continuation, une transformation. Donc, on peut dire qu'il y a de la mort, de la naissance dans chaque minute, mais on peut dire en même temps qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance, il y a seulement une transformation, de la transformation à chaque moment pour que la vie puisse continuer. Donc, quand on contemple un nuage, si on a assez de temps pour regarder, on va découvrir la vérité sur la naissance et la mort d'un nuage. La naissance et la mort ne peuvent rien faire au nuage. Le nuage est exempté de naissance et de mort. Dans sa nature, le nuage est libre de naissance et de la mort. La vraie nature,
la vraie nature du nuage, c'est la nature de la non-naissance et de la non-mort. Avec la méditation, on peut entrer en contact avec sa nature de non-naissance et non-mort. Et quand vous avez pu toucher cette vraie nature de non-naissance et de non-mort, vous perdez toutes sortes de peurs. Vous n'avez plus peur de l'existence, de l'être. Vous n'êtes plus peur de la non-essence. Vous n'êtes plus peur du non-être. C'est parce que l'être et le non-être ne sont que des notions créées par notre tête. Et ces notions-là ne peuvent pas s'appliquer à la vérité. Donc, on peut enlever cette paire de notions, être et non-être. Et on peut dire que être ou ne pas être, ce n'est pas la question. Et on peut sortir de l'autre paire de notions, naissance et mort. C'est parce que si on peut enlever la notion de naissance et de mort, on enlève en même temps la notion de l'être et du non-être. Il y a des gens qui disent que Dieu est la fondation de l'être. Je ne pense pas que ça marche. Si Dieu est la fondation de l'être, et qui sera la fondation du non-être? Dieu est l'absolu, l'intime, et Dieu transcende la notion de l'être et du non-être. Et c'est pourquoi cette définition donnée par le Bouddha est brève, mais très forte, révélatrice. Qu'est-ce que c'est que la vue juste? La vue juste, c'est une vision qui transcende la notion de l'être et du non-être, et la notion de mort et de naissance. Et si vous pratiquez la méditation en profondeur, vous allez pouvoir toucher cette vérité, cette vraie nature de non-naissance et de non-mort en vous et dans le monde. Et vous sortez des notions de l'être et du non-être. Et nous savons que cette vision, cette vue juste, est le fruit de notre pratique du regard profond. C'est-à-dire, on a le temps pour vivre dans la pleine conscience et dans la concentration. La concentration et la pleine conscience. Ce sont les trois premiers éléments du chemin noble, du chemin octuple, du chemin de la voie du bonheur. On commence avec marcher dans la pleine conscience, respirer dans la pleine conscience, s'établir dans le moment présent et à vivre en profondeur chaque moment qui nous est donné à vivre. Et comme nous vivons en pleine conscience, si nous sommes habités par l'énergie de la pleine conscience, alors nous vivons concentrés.
Et la pleine conscience juste et la concentration juste apportent toujours de la vue juste. Et aussi très vite. Par exemple, quand vous faites une inspiration dans la pleine conscience, vous portez votre attention entièrement sur l'inspire. J'inspire, je sais que je fais une inspiration. Et dans deux ou trois secondes, vous ramenez votre esprit vers votre cœur. Et vous voilà installé bien, bien installé dans le moment présent. Vous êtes vraiment présente. Vous êtes vraiment vivante et vous pouvez entrer en contact avec les merveilles de la vie. Votre corps, c'est une merveille. Et la lumière qui vous entoure et qui pénètre dans votre corps, c'est une merveille. Et en faisant une inspiration, vous réalisez que vous êtes une personne vivante. C'est facile. C'est parce que quelqu'un qui est déjà mort ne peut plus faire une inspiration. Et vous qui faites une inspiration, évidemment vous êtes vivante. Et c'est déjà une vision profonde. Il y a des gens qui vivent, mais qui ne savent pas qu'ils sont vivants. Ils ne chérissent pas le fait qui sont vivantes. Alors, c'est parce que vous avez la pleine conscience, vous êtes au courant du fait que vous êtes vivant. Être vivant, c'est quelque chose de formidable. C'est un miracle d'être là, vivant. Le plus grand des miracles. Et il suffit de faire une inspiration de 2-3 secondes pour pouvoir toucher cette vérité. Et vous avez une vue juste. Et quand vous avez cette vue juste, je suis vivant. Alors vous pouvez produire une pensée joyeuse. Donc la vue juste donne naissance à la pensée juste. Une pensée juste, c'est une pensée dépourvue de discrimination entre soi et non-soi. C'est parce que la vue juste, c'est la présence de la sagesse du non-soi. Il n'y a pas de séparation. C'est parce que vous avez vu la nature de l'inter-être. Vous savez très bien que rien ne peut être par soi-même. Tout doit inter-être avec le cosmos. Donc il n'y a plus de discrimination. Et sans la discrimination, cette pensée est pleine de compréhension. La fille comprend les difficultés de la maman. La fille voit et comprend la souffrance de la maman. Elle voit que sa maman est elle-même. Et elle est la continuation de sa maman. Et c'est cette sagesse-là qui peut transformer la colère dans la fille. Elle regarde sa maman et elle se voit dans sa maman. Un jour, j'ai fait la méditation marcher sur une rue de Londres, à Londres. J'ai passé par une librairie et j'ai vu un livre dans la vitrine avec le titre « My mother, myself ». Ma maman, moi-même. Ma, moi-même. Et je savais ce qui est écrit dans ce livre. C'est un ouvrage sur la psychothérapie. Et c'est une méditation. Si la fille se regarde et voit sa maman en elle,
Si la fille regarde sa maman et voit que elle est en elle aussi. Elle voit qu'il n'y a pas de soi séparé. Je suis la continuation de ma maman dans la direction du futur. Et ma maman est ma continuation dans la direction du passé. Grâce à ma maman, je peux toucher le passé et mes ancêtres. Grâce à moi, ma maman peut avoir accès au futur. Alors, cette vision profonde va enlever toute discrimination et toute colère. Et on peut guérir. Je n'ai pas acheté le livre, parce que c'est parce que je pensais que je sais ce que l'auteur a écrit dans le livre. Ma maman, c'est moi-même. Quand je fais de la méditation marchée, je fais de la méditation assise, je partage avec mon papa, ma maman aussi. Je les invite à marcher, c'est facile. C'est parce que j'ai des poumons, j'ai des jambes, mais ces jambes-là sont aussi les jambes de ma maman, de mon papa. Et on marche ensemble. Et si on réussit à avoir plus de paix, plus de liberté, alors la maman et le papa en nous en profitent aussi. Donc le dialogue, la conversation peut continuer toujours. Et vous êtes la continuation de votre maman, de votre papa, de vos ancêtres. Ils sont toujours là vivants. Et si vous avez du bonheur, de la paix, ils les ont aussi. Donc, avec la non-discrimination, on enlève tant de souffrances. Et une pensée juste, c'est une pensée pleine de compréhension et de compassion. Et vous qui êtes un pratiquant de la pleine conscience, vous pouvez acquérir cette vue juste, cette non-discrimination, cette sagesse de non-discrimination. Et vous pouvez produire des pensées sans discrimination, des pensées pleines de compréhension et de compassion. Vous voyez que la souffrance en lui, en elle, est aussi votre souffrance. Et quand vous voyez comme ça, vous ne voulez plus punir cette personne-là. Vous voulez faire quelque chose, ou dire quelque chose pour qu'elle souffre moins. Alors il y a de la compassion dans ce que vous pensez. Une pensée juste, une pensée de compassion et de compréhension a le pouvoir de vous guérir. Tout de suite. Et vous pouvez produire beaucoup de pensées comme ça chaque jour en tant que pratiquant de la pleine conscience. On peut se guérir en pensant, en produisant des pensées justes, des pensées de compassion. C'est parce que la compassion guérit, c'est une chose évidente. Quand vous avez de la compassion en vous, vous sentez beaucoup, beaucoup mieux. Vous souffrez beaucoup, beaucoup moins. C'est une énergie formidable. Et cette énergie est née, c'est parce que vous avez vu la vérité sur la souffrance en vous et dans l'autre personne. Et sur la base de la vue juste, vous pouvez aussi produire de la parole juste. Vous parlez au téléphone ou vous écrivez un message envoyé par email.
vous pouvez pratiquer la parole juste. Dites quelque chose. Vous dites quelque chose qui a de la compréhension, qui a de la compassion. C'est parce que vous êtes pratiquant. Vous êtes pratiquant dans la pleine conscience. Vous voyez la souffrance dans cette personne. Vous voyez la souffrance en vous. Et vous dites des choses qui peuvent exprimer votre compréhension de cette souffrance et votre volonté de pouvoir aider à souffrir moins. Et si vous arrivez à dire une telle chose, pleine de compassion et de compréhension, la guérison en vous commence. Avant cela, vous pensez que vous ne pouvez pas dire une chose pareille. C'est parce que vous avez souffert trop. Vous ne pensez pas que vous pouvez dire une telle chose à lui ou à elle. Vous pensez que cette personne vous a causé tant de souffrance, tant de misère. Et c'est impossible pour vous de dire une chose pareille. Mais avec la pratique de la pleine conscience, vous pouvez reconnaître la souffrance dans cette personne. Vous voyez que cette personne a beaucoup de souffrance en elle, et cette personne n'a pas pu, ne sait pas comment gérer sa souffrance. Cette personne peut être votre maman, votre papa, votre conjointe, votre partenaire. Vous avez besoin de 5 minutes, de 7 minutes pour regarder. Et si vous avez la pleine conscience, la concentration, vous pouvez déjà reconnaître cette énorme souffrance en elle. Et vous voyez que cette personne-là ne sait pas comment gérer une souffrance. Elle continue à être victime de sa propre souffrance. Et sa souffrance grâce à cause de cette souffrance, elle a fait souffrir les autres personnes autour d'elle. Une fois vous avez vu cela, la compréhension est née. Et voyez que l'autre personne a besoin de l'aide. L'autre personne n'a pas besoin d'une punition. Donc vous n'avez plus envie de punir. Vous avez envie de dire quelque chose et de faire quelque chose pour aider cette personne à souffrir moins. Alors, la compassion est née dans votre cœur. Et maintenant, c'est facile pour vous de produire une parole juste, une parole aimante. C'est l'objet du quatrième entraînement à la pleine conscience. Avec gentillesse, avec un regard plein de compassion, vous regardez l'autre personne et vous dites, chérie, je sais que tu as souffert beaucoup, beaucoup dans les années passées. Je n'ai pas pu t'aider. Et j'ai réagi en telle sorte qui t'a fait souffrir plus. Je suis navré. Chérie, ce n'est pas mon intention de te faire souffrir. C'est seulement parce que je n'ai pas compris, je n'ai pas vu et compris l'énorme souffrance en toi. Chérie, il faut que tu m'aides. Il faut que tu me dises ce qui est dans ton cœur, ta souffrance, tes difficultés. J'ai besoin de comprendre. Aide-moi. Tu vois, si tu ne m'aides pas, alors qui va m'aider ?
Alors, dis-moi ce que tu as dans ton cœur. Et ce que vous dites, ça, ce que vous dites là, c'est de la parole juste, la parole aimante. Et avec un peu de compassion dans votre cœur, vous pouvez très bien utiliser cette sorte de langage. Mais avant de regarder, avant de pratiquer, vous n'avez pas vu cette souffrance, vous n'avez pas compris cette souffrance. Et vous pensez que c'est impossible pour vous de dire une chose pareille. Et nous avons eu beaucoup d'expérience sur ceci. Dans nos retraites de pleine conscience, offertes un peu partout dans le monde, il y a toujours de la transformation et de guérison à la quatrième journée, à la cinquième journée. Dans la première journée de la pratique, on essaie de relâcher la tension dans le corps. On essaie d'entrer en contact avec les merveilles de la vie qui peuvent nous aider à nourrir et à nous guérir. On pratique la respiration consciente pour calmer nos sensations douloureuses, nos émotions douloureuses. Et ensuite, on se met en contact à la souffrance intérieure. On écoute la souffrance en soi pour pouvoir comprendre. Et ensuite, on a le temps pour penser à l'autre personne et regarder la souffrance en elle. Et à la cinquième journée, tout le monde est invité à appliquer l'écoute profonde et la parole aimante avec l'autre personne. Nous disons toujours comme ceci, chers amis, vous avez jusqu'à minuit aujourd'hui pour faire cela. Il faut bien appliquer cette pratique d'écoute profonde, écoute compassionnée, et la parole aimante pour restaurer la communication avec l'autre personne. Si l'autre personne est dans la retraite, c'est très bien, c'est facile. C'est parce qu'elle a été exposée à l'enseignement, elle a pratiqué, elle a vu des choses. Mais si cette personne n'est pas là, alors vous pouvez utiliser votre portable pour pratiquer. Et beaucoup de gens ont utilisé leur téléphone et parvenu à réconcilier avec la personne à la maison. Je me souviens de cette retraite en Allemagne. Ce matin-là, la dernière journée de la retraite, quatre messieurs se sont présentés à moi pour rapporter que l'année dernière, elles ont utilisé leur portable pour pratiquer avec leur papa. Et tous les quatre ont rapporté qu'ils ont eu à réconcilier avec leur père. Une personne me dit, cher Thay, avant de le téléphoner, j'ai encore de l'hésitation. Je ne croyais pas que je vais pouvoir parler en telle sorte avec la parole aimante. C'est parce que je l'avais trop souffert. Et j'ai fait le vœu de ne jamais plus revoir mon papa.
Mais comme vous avez recommandé la pratique, alors j'ai mis tout mon cœur dans la pratique. Et c'était une surprise. Quand je l'entends, quand j'entends sa voix de l'autre bout de la ligne, j'ai réalisé que je peux dire comme ça, papa. Je sais que tu as beaucoup souffert dans les années passées. Papa, je sais que tu as beaucoup souffert dans les années passées. Je n'ai pas pu t'aider du tout. En fait, j'ai réagi de telle sorte qui t'a fait souffrir beaucoup plus. Je suis navré. Papa, ce n'est pas mon intention de te faire souffrir. C'est parce que j'étais ignorante. Je ne savais pas ce qui se passe en toi. Je ne voyais pas ta souffrance, tes difficultés. C'est pourquoi j'ai réagi en telle sorte. Papa, il faut que tu m'aides. Il faut que tu me dises ce qui est dans ton cœur. Aide-moi, papa, s'il te plaît. Et j'ai réussi à dire comme ça, comme vous avez recommandé. Et mon papa a pleuré comme un enfant. C'est parce que pendant des années, je n'ai pas parlé comme ça du tout. Et j'ai ouvert le cœur de mon papa. Et nous avons passé 1h30 à parler comme ça. Et nous nous sommes réconciliés. Cher Thay, tu sais, vous savez ce que je vais faire après la retraite. Je vais aller voir mon papa tout de suite. La première chose que je fais, c'est aller voir mon papa. Donc, la restauration de la communication, la réconciliation avec l'autre personne, c'est une chose possible avec la parole aimante. Et la parole aimante est possible s'il y a de la compassion en vous. Et la compassion est née quand vous avez pu regarder en profondeur dans la souffrance de l'autre personne. Donc, en tant que pratiquant, vous avez la capacité de restaurer la communication avec la parole aimante et l'écoute compassionnée. Il ne faut pas laisser les choses traîner comme ça, mois après mois, année après année. Il faut quelques jours de pratique suffisent pour faire naître de la compréhension et de la compassion. Et vous pouvez déjà transformer. Donc la pensée juste et la parole juste est possible si vous avez une vue juste. Vous savez que dans la vue juste, il n'y a pas de souffrance individuelle. Il n'y a pas de bonheur individuel. Dans une relation, sa souffrance est votre souffrance. Si l'autre souffre, c'est possible pour vous de ne pas souffrir. Alors, aidez-lui aider cette personne à ne plus souffrir, vous aidez vous-même. Si le papa souffre, le fils ne peut pas être heureux. Si le fils continue à souffrir, le papa, il n'y a pas de moyen pour que le papa puisse être heureux. Donc la souffrance de l'autre est votre propre souffrance. Et votre bonheur est son bonheur. Dans une relation, il n'y a pas de souffrance individuelle. Il n'y a pas de bonheur individuel. Et c'est la vision de l'inter-être. Et si vous voyez cela, alors vous avez cette vision. Et vous pouvez penser et parler pour pouvoir
réconcilier. Et avec la parole juste, on a aussi cette pratique de l'action juste. Pensée, parole et action, ce sont les trois aspects de l'action. Penser, c'est déjà agir. Parler, c'est déjà agir. Et action, c'est l'action de votre corps physique. Avec votre corps physique, vous pouvez servir, vous pouvez protéger, vous pouvez sauver. Vous pouvez apporter de l'aide. Vous faites cela pour lui, c'est pour vous-même. Il y a dans le bouddhisme une sagesse qui est appelée la sagesse de la non-discrimination. Et vous en avez dans votre corps. Il faut que cela se manifeste. Vô phân biệt trí. La sagesse de la non-discrimination. Nước vi can pa snana. La sagesse non-discrimination. Un jour, j'ai essayé d'accrocher un tableau sur le mur. Avec la main gauche, je tiens un clou. Avec la main droite, je tiens un marteau. Et ce matin-là, je n'ai pas été très agile. Au lieu de frapper sur le clou, j'ai frappé sur mes doigts. Il y avait de la douleur. Tout de suite, la main droite pose le marteau sur la table et prend soin de la main gauche. Et la main droite fait, elle sait que soigner sa main, la main gauche, c'est soigner elle-même. Il n'y a pas de discrimination entre mes deux mains. Dans mon corps, il y a de la sagesse, de non-discrimination. La main droite ne dit pas « je suis navré ». Et la main gauche ne se fâche pas. En fait, avec ma main droite, je fais beaucoup de choses. Je joue la cloche, le tambour, j'écris mes poèmes. Et ma main gauche n'a pas de complexe de supériorité envers ma main gauche. Elle ne dit jamais, moi, j'ai écrit tous les poèmes de Thay. Je fais de la calligraphie. Et toi, tu sembles être un fin néant. Donc, il est très, très évident que dans cette main droite, il n'y a pas cette complexe de supériorité. Il y a une sagesse de non-discrimination. Elle n'est pas fière d'elle-même. Et ma main gauche, elle ne souffre pas du complexe de l'infériorité. Elle n'a pas de complexe du tout. Elle ne hait jamais la main droite. Elle ne dit pas, main gauche, tu m'as fait souffrir. J'ai besoin de la justice. Donne-moi ce marteau. Non, la main gauche ne pense pas comme ça, ne pense pas comme ça et n'agit pas comme ça. C'est parce que dans la main gauche, il y a de la
sagesse de la non-discrimination. Les cellules de notre corps possèdent cette sagesse. Et elle opère en harmonie dans notre corps. Donc, si on peut faire manifester cette sagesse de non-discrimination, alors la pensée sera juste, la parole et l'action sera juste, et la guérison, la réconciliation vont venir tout naturellement. Avec son corps, on peut aider, on peut protéger, on peut soutenir, on peut sauver. Et quand on sauve cela, on sauve soi-même. Quand vous essayez de sauver la planète, vous sauvez vous-même. Chaque jour, vous produisez. Vous êtes très productif. Chaque jour, vous produisez beaucoup de pensées, beaucoup de paroles et beaucoup d'actions. Il faut être au courant que vos pensées, vos paroles et vos actions, elles sont votre continuation. Un arbre comme l'oranger peut produire des feuilles, des fleurs et des fruits d'orange. Et nous, comme êtres humains, nous produisons de la pensée, de la parole et de l'action. Et c'est notre continuation. L'action. La triple action. Tam nghiệp. Quand ce corps se désintègre, vous continuez toujours. Vous savez déjà que c'est possible, c'est impossible de mourir. Vous allez continuer. Le problème, c'est comment continuer? Comment avoir une belle continuation? C'est leur problème. Et la réponse est claire. Si vous pouvez produire des pensées belles, des pensées de compassion, de compréhension, alors vous allez continuer d'une manière très belle. Chaque pensée que vous produisez porte votre signature. C'est vous qui avez produit cette pensée. Si c'est une pensée de discrimination, de haine, de désespoir, c'est pas bien pour vous de continuer comme ça. Ça va ruiner votre corps, votre esprit, et ça va ruiner le monde. Alors qu'en pratiquant, on ne produit que des pensées justes, des pensées de compassion. Sont dignes de vous, d'un pratiquant, d'une pratiquante. Alors ne produisez pas des pensées de haine, de colère, de jalousie. Produisez des pensées de compassion, de compréhension. Alors vous pouvez vous guérir et aider à guérir l'autre personne. La parole aussi, les bonnes paroles que vous dites peuvent vous faire beaucoup de bien. Et peuvent aider à guérir l'autre personne et le monde. Et l'action. Donc la triple action, c'est votre continuation. La mort est une idée, ce n'est pas une vérité. Vous allez toujours continuer et vous pouvez assurer une belle continuation, si vous voulez. Peut-être vous avez besoin des autres amis pour le faire.
mais assurer une belle, une meilleure continuation, c'est une chose possible. Et cette continuation, on n'a pas à attendre jusqu'à la dissolution de ce corps pour avoir une continuation. On continue demain déjà. Et ce que l'on fait aujourd'hui, ce que l'on pense aujourd'hui, va avoir une influence sur ce que l'on sera demain. Donc la rétribution peut être immédiate. C'est parce que quand vous produisez une pensée de compassion, ça a un effet immédiat sur votre santé. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la dissolution de ce corps pour avoir une rétribution. La rétribution peut être immédiate et ça continue toujours. Et avec l'action juste, on a le moyen d'existence libre, juste. Et enfin, on a la diligence. Juste. C'est le chemin du bonheur, le sentier noble du bonheur. Et quand vous regardez dans une des 8 éléments, vous pouvez voir les autres éléments. Dans le moyen d'existence juste, vous voyez la pensée juste et la vue juste. Si vous n'avez pas de vue juste, le moyen d'existence n'est pas vraiment juste. Et peut-être nous avons besoin de 10 minutes de plus pour parler de la diligence juste. C'est une pratique très importante. Nous pouvons visualiser notre conscience comme une chose qui a deux couches. Et la couche supérieure est appelée le mental. Le mental opère pendant la journée, quand vous êtes éveillé. Et la nuit aussi, quand vous rêvez, le mental continue à travailler. Mais pendant que vous dormez, le mental peut s'arrêter. C'est dans le cas du sommeil sans rêve. Donc le mental peut exister pendant que l'on est éveillé et peut continuer aussi quand on rêve. Mais il y a cette couche profonde qui est appelée le tréfonds. Le tréfonds. Et enfoui dans le tréfonds, il y a des semences, des graines. Toutes sortes de graines, bonnes graines et des graines qui ne sont pas aussi bonnes. Dans la psychologie bouddhique, on parle des formations mentales.
tâm hành. Il y a des une cinquantaine, soixantaine de formations mentales. Il y a des bonnes et des mauvaises. Et quand on a de la colère, ça se manifeste au niveau du mental. Et cette colère est une sorte d'énergie qui est née d'une graine enfouie ici-bas. Nous avons tous une graine de colère en nous, dans le tréfonds, dans notre tréfonds. Et si dans la vie quotidienne, on arrose toujours cette graine quotidiennement, alors ça devient très important. C'est pas bien de se laisser arroser la graine de colère en nous. Alors, dans votre relation avec l'autre personne, vous pouvez faire signer un contrat. Chérie, tu sais que j'ai une graine de colère en moi. Et si tu arroses cette graine chaque jour, ça va grandir. Et je peux me mettre en colère très souvent. Et comme ça, tu ne peux pas être heureux. Donc, aide-moi. Ne pas arroser cette graine de colère en moi. Et je fais la promesse de faire la même chose. Tu as aussi cette graine, une graine de colère. Et je vais m'abstenir à faire des choses ou à dire des choses qui peuvent arroser cette graine de colère en toi. Alors, on signe le contrat? Contrat de paix. Contrat de bonheur. Entre les deux partenaires. Donc, il y a des bonnes graines, comme la graine de la pleine conscience, de la compassion, ici. Et chaque fois qu'une graine, une bonne graine se manifeste en formation mentale, le paysage est beau. Le paysage mental est beau. On est heureux, mais quand une graine de désespoir se manifeste, le paysage n'est plus beau. Alors on peut continuer de parler à l'autre personne. Chérie, tu sais que j'ai une bonne graine en moi. C'est la graine de compassion, c'est la graine de joie, de fidélité. Et si tu peux arroser cette graine chaque jour, je vais être heureuse, de plus en plus heureuse. C'est une chose faisable. Vous reconnaissez la bonne graine en lui, en elle, et vous arrosez chaque jour. Et cette personne est heureuse, et vous être heureux aussi. C'est de l'intelligence. Ce que vous faites pour lui, c'est pour vous aussi. Arrosez la bonne graine en lui, en elle. Et s'abstenir à arroser la mauvaise graine. Quand les formations mentales se manifestent ici, on les appelle formations mentales, citta samskara. Mais quand elles sont en forme de graines, on les appelle les bija. Chúng tử. Donc, dans une relation, c'est très important de reconnaître les graines en soi-même, positives et négatives, et reconnaître ces graines aussi dans l'autre personne.
et apprendre l'arrosage. On n'arrose que les fleurs, on n'arrose que des bonnes graines, et on s'abstient à arroser les mauvaises graines. C'est un contrat de paix, c'est un contrat de bonheur, c'est un contrat d'amour que vous signez avec votre partenaire. Entre partenaire et partenaire, entre mari et femme, entre papa et fils, maman et fille, vous pouvez toujours signer cela. Donc, qu'est-ce que c'est que la diligence juste? Il y a quatre aspects de la pratique. Premièrement, les mauvaises graines, ne pas les arroser. Laissez-les dormir tranquillement là-bas. C'est une politique intelligente. Il faut laisser dormir la graine de la jalousie, de la trahison. C'est parce que chacun de nous a une graine de jalousie, de trahison. Mais nous avons aussi une graine de loyauté. Alors, arroser la graine de loyauté plutôt que l'autre graine. Il faut de l'intelligence dans la pratique. Alors, le premier aspect de la pratique, c'est ne pas donner une chance à des graines négatives. Si vous lisez des articles, si vous regardez des films qui peuvent arroser la graine de la soif, désirs sensuels, la peur, la colère, la violence, alors vous arrosez les mauvaises graines. Quand vous regardez un film, l'arrosage se déroule. Alors il faut faire très attention. Il faut choisir un film qui arrose les bonnes graines en vous. Et quand votre enfant regarde la télé, vous devez être certain que le film que votre enfant regarde n'arrose pas la graine de la violence, de la peur, de la colère en lui, en elle. Très important. C'est l'objet de la pratique du cinquième entraînement à la pleine conscience. La consommation en pleine conscience, la consommation réfléchie. Il faut une bonne politique de consommation dans la famille. La famille doit se réunir et discuter sur une politique de consommation dans la lumière de cette pratique. Même une conversation peut être toxique. Et vous consommez de la conversation. Vous avez un portable et vous parlez toujours. Et ce que dit l'autre personne peut renfermer beaucoup de colère, beaucoup de désespoir, beaucoup de violence. Alors en écoutant, vous consommez et vous arrosez les mauvaises graines en vous. Alors il faut pratiquer. Il faut enseigner à nos enfants à pratiquer pour qu'ils ne se laissent pas arroser les mauvaises graines en eux. Donc dans le traité, vous dites, chérie, je sais que tu as des mauvaises graines comme la colère, le désespoir. Et je sais qu'en moi, il y a aussi ces graines-là. Je promets de ne pas arroser ces graines en moi-même et je promets de ne pas les arroser en toi. Ne donnez pas ces graines une chance. C'est le premier aspect de la diligence, de la pratique de la diligence. Deuxième aspect, si par hasard une mauvaise graine se manifeste déjà, alors,
tâche, tâche à l'aider à revenir à sa place originelle le plus tôt possible. Si la colère monte, si la peur monte, si le désespoir monte, c'est pas bien de la laisser comme ça très longtemps au niveau du mental. Une heure de séjour dans le mental va consolider sa présence dans le tréfonds. Si vous laissez la colère demeurer trop long ici, à la base, il grandit. L'autre personne, ce monsieur-là, il y a 10 ans, il n'était pas aussi coléreux comme aujourd'hui. Maintenant, cette personne est pleine de colère. C'est pourquoi? C'est parce que dans les 10 années passées, il a laissé arroser cette graine de colère en lui, en elle. Il s'arrose, il se laisse arroser par les autres personnes. Alors dans une relation, il faut faire très attention. Il ne faut pas arroser la mauvaise graine en soi et dans l'autre personne. Il faut signer le contrat. Et si vous arrosez la graine de compassion en vous chaque jour, elle va devenir assez importante. Et chaque fois que vous en avez besoin, vous touchez légèrement cette graine, elle se manifeste. Et quand elle se manifeste, l'autre graine, l'autre transformation, l'autre formation mentale va se retirer. Cela, c'est parce que la compassion est l'antidote de la colère. Et nous tous, nous avons un Bouddha en nous. C'est la compassion, c'est la compréhension. Donc, deuxième aspect de la pratique, si par hasard une graine négative se manifeste, le pratiquant fait quelque chose pour aider cette transformation, cette formation à revenir à son état d'origine. Et il n'y a pas de violence. On ne tâche pas de supprimer, de combattre la colère avec beaucoup de tendresse, de non-violence. On va inviter quelque chose de bien à se présenter. Et si on est entouré par des amis dans la pratique, tout le monde peut vous aider. Tout le monde peut arroser une bonne graine en vous pour que ça aide l'autre formation mentale à se retirer. C'est comme si vous avez beaucoup de disques compacts, de CD. Si la musique ne vous plaît pas, pourquoi continuer? Alors, on peut pousser sur un bouton, arrêter. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'autres disques. Changez de compact list, c'est la pratique. Vous avez des bonnes choses en vous, pourquoi ne pas utiliser? Alors, c'est la manière recommandée par le Bouddha. S'il arrive qu'une chose négative se manifeste, aide-lui à retourner en invitant une bonne chose à se manifester. Et si vous constatez que votre partenaire est sous l'emprise de la colère et de la peur, vous devez agir. Vous devez aider, vous devez arroser une bonne graine en elle pour que cette graine va substituer, remplacer l'autre graine. Il faut agir tout de suite pour aider votre partenaire. Troisième côté, aspect de la pratique. Ce qui est bien dans le tréfonds, vous devez arroser chaque jour. Chérie, si vous m'aimez vraiment, arrosez les bonnes graines en moi. Et si je suis heureux, alors tu es heureux aussi. Tu peux profiter de mon bonheur.
Alors je fais la même chose. Je vais essayer d'arroser les bonnes graines en toi. Tu as les bonnes graines. Alors comme partenaire, on doit reconnaître les bonnes graines dans l'autre, dans l'autre personne. Et votre pratique quotidienne, c'est d'arroser. C'est là du bonheur. Et le bonheur, cela peut être une chose immédiate avec la pratique de l'arrosage. Très vite. En quelques minutes, vous pouvez rendre une personne heureuse en pratiquant l'arrosage correct. Et le quatrième aspect de la pratique est que si une bonne graine se manifeste comme formation mentale, gardez-la dans le mental le plus long possible, le plus longtemps possible. C'est parce que ça continue à rendre le paysage mental beau. C'est comme si vous avez un invité, un ami qui vous donne beaucoup de joie, alors il faut tâcher de garder cet ami avec vous longtemps. Alors si une bonne chose qui se manifeste comme la joie, que la joie demeure, comme la joie, comme le bonheur, comme la compassion, alors continuez à arroser pour que cette énergie formidable continue à vous habiter. Et comme ça, ça aide à guérir, à nourrir. C'est l'Esprit Saint qui vous habite, la compassion, la pleine conscience, la compréhension, l'amour. Donc la diligence est une pratique très concrète. Et si vous pratiquez la diligence juste, alors votre relation s'améliore tout de suite. Vous verrez dans une semaine combien de transformations et de guérisons peuvent arriver avec cette pratique. Je souhaite à mes amis beaucoup de chance dans la pratique. Ce sont des choses faisables, aujourd'hui même.